Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parler vite au côté position ancien sénateur Youri Latoti ak position président Sénat République ta Pierre-François Sildo sous nouveau code pénal pays. Nouveau code pénal ça, c'est un code de libertinage ak libéral d'après déclaration Youri Latoti. C'est information ça nous porter pour si c'est première fois visiter nos informations nous partager intéressé. Pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Eh bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ce code pénal, ça, son code scélérat. Et c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un code pénal dans le pays. Nous voulons que l'évolution du pays a fait pour un bon code pénal qui permet que la justice régne. Mais c'est pas ça. Et je dis à nous tendez force sociale, force morale pays à parler d'un pile bail qui dans code pénal là, il la donne. Que ce soit avortement à l'article 128, avortement vino bagaille libéral, bail total, ou fait n'importe qui genre. Majorité sexuelle, si mon dieu qu'on y a à 15 ans, yo libre pour yo faire tout ça ou voulez. Article 275 277 et 306. Inceste, relation entre cousin, cousine, ma tante, tonton. Code pénal, ça a. Barrière libre. Qui a-t-il? 325. Bestialité. Bestialité, on ne peut pas me remettre. Je mette à contrario. Ça veut dire que je dis si on moun force en droit de relation avec vous. Avec ben. Ça veut dire que. Et qui moun y a puni, c'est moun nan qui font ça là. Donc ça dit que relation que moun nan fait avec moun. C'est ça où l'on a droit à contrario. Prostitution infantile, article 384. Nous comprenons parce que yon dit si moun ka boue alcool. Depuis le babou en pile, comment on a fait qu'on est boue en pile? Parce que yon est boue bien, il y a boue en pile. Homosexualité, bon ça en va y net. Article 248, 264. 74, il a crié. Et puis, ça nous entendait déjà. Et puis, question grâce là. Qui ça qui grâce? Le, yo grâce yon moun, c'est le que moun n'a pas subi peine. C'est-à-dire que, il n'a pas arrêté dans la prison ou bien il a réduit peine. Mais, condamnation toujours été. À n'importe quel moment, moun ça a, il a perdu le droit civil et politique li. Qui est différent de amnistie. Laisser amnistie sont l'autre bagaille. Cependant, c'est de ça même que je vais parler. Non, parce que dans tout ça, nous avons parlé, je parle de tout ça. Mais je ne vais jamais parler de amnistie. Et pour nous bien comprendre, question amnistie, nous pouvons aller avant en dans la Constitution. En nous garder ça aussi en dans la Constitution. Dans l'article 147, il dit le président de la République ne peut accorder amnistie qu'en matière politique. Qu'en matière politique. Et selon les prescriptions de la loi. C'est-à-dire amnistie pas kabay l'autre genre qu'en matière politique. Quand nous regardons ça, il dit dans le code pénal là. Il dit, le droit d'amnistie attribué au chef de l'État ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il dit, il n'est pas appliqué dans le cas génocide, dans le cas crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Il dit qu'il n'est pas appliqué, donc c'est-à-dire qu'il est applicable dans l'autre bagaille. Alors que la Constitution les limite simplement à politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout crime financier que nous avons, que monsieur a fait pendant les 10 dernières années, nous connaissons pendant les 10 dernières années, aide internationale là, c'est 10 milliards de dollars de Haïti. Côté le passé. Nous connaissons Petro-Caribé, c'est 4 milliards 200 millions. Nous connaissons que Dermalogue là,
c'est 27 900 000 dollars. Nous connaissons que Sophie Daï, c'est environ 100 millions de dollars. Nous connaissons que question de lampadaire dans le pays, c'est 15 à 20 millions de dollars. Tout ça, c'est des dossiers. Côté nous dit, mais quoi, la gaspiller. Si je dis à la Constitution limiter la matière politique, quoi, pénal n'a pas le droit de permettre que y ait un missile en matière de crimes financiers. Quand on a l'habitude de répéter que amnistie, c'est simplement tout en matière politique. Et nous, c'est ça qui amnistie. Je dis, l'amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites, et même après les condamnations par défaut. C'est-à-dire avant le jugement de l'Occaribé, il y a amnistie tout le monde. Après le jugement, il y a amnistie. Ou bien si le monde n'a pas l'allemand, même si on condamne par défaut, il y a un amnistie. Et là, l'amnistie dans le pays, l'amnistie, sa loi dit, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne la remise de toutes les peines. Ni complice, ni auteur, tout crime est effacé. Et leur amnistie, on va devoir remettre au bout. Et ça, il dit dans la loi. C'est-à-dire que si la mission est dans Petro-Caribé, on va avoir un goût pour elle. Alors que la Constitution empêchait la mission. Nous sommes jetés comme parole à la mission, tu parles là. Je te dis c'est opposition. Eh bien, c'est pouvoir. C'est pouvoir qui écrit dans les articles 221, 222, 223, 224, 225. Ils prennent la liberté pour l'amnistie. Donc, en plus des questions homosexuelles, incestes, mais ils mettent là, bagaille pour effacer tout crime financier. Allant de l'aide internationale, 10 milliards de dollars, Petro-Caribé, 4 milliards, Dermalogue, 30 millions, Sophie Daï, 100 millions de prêts, et la CRI. Donc, code pénal, ça, son code qui vient. Son code efface péché. Son code voxal. Parce que, ou pas qu'à nos sociétés, côté plus gros problème qui est dans le pays, c'est corruption. Pour sortir, pour abdicier tout le monde qui fait crime. Et ceci souprend pendant les 10 dernières années. Aide internationale, Petro-Caribé et la CRI fait environ 15 milliards de dollars. Non pays côté que budget nous environ 2 milliards, c'est-à-dire environ 7 fois plus budget nous. PIB nous produit intérieur brut nous 8 milliards de dollars, comme qui perdu à lit 2 fois plus produit intérieur brut nous. Et puis nèg yo filé amnistie. Là, il dit sauf en cas de génocide ou de crime de guerre. Et crime Petro-Caribéa. Et crime Sophie Daïla. Donc, moi, je pense que je dis, il était extrêmement important pour nous dire, l'Église, société civile, parti politique, et moi-même qui travaille sur la question Petro-Caribéa, nous dit, nous veillons au bon grain. Nous dit, je dis, là, nous tendons. Vous pouvez regarder le code pénal là. Le président a dit, vous pouvez regarder le code pénal là, vous pouvez regarder qui débat. Et là, comment ça a débat fait dans la société? C'est-à-dire que je dis à aucun bénégo. Et Négio te fait le code pénal là, on code scélérat, vous avez effacé le péché. Et dans ce sens-là, nous dit, ce n'est pas simplement regarder la question morale que posée, l'Église déjà posée, mais c'est garder le code pénal là. Jean peut-être Barou a développé la mettre des commissions sur tout dossier pour nous voir que chaque chapitre dans le code ça, il y a des bagailles que nous pouvons utiliser pour que, puis devant. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous la gon vidéo pour le capable jouer nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde.
on agréable soirée, si c'est matin, ou matinée. Avec gang et dépraver société ça pour que nous perdions nous dans la question homosexuelle, inceste, bestialité et la vie. Merci. Non. Très bien. Premièrement, dans le code pénal que nous travaillons sur l'IA, dans la commission de justice et sécurité, nous allons à travers les 5 juridictions pénales et pas de bien à eux. Parce que leur bagage est contraire à la constitution dans la hiérarchie des normes ou pas de capoter dans le code pénal. Nous, dans pile changement qui fait, surtout dans ce que nous dit à l'heure, avortement, majorité sexuelle, inceste, bestialité, prostitution infantile, en français alcool, homosexualité et la grâce présidentielle. Moi, je pense que, au niveau de la présidence, je prends compte là, je mettais exactement ça, je même je voulais mettre, au niveau de l'immoralité, également au niveau de l'amnistie. Je ajoute pour que, justement, il permette que quoi ça là. Là, on était 24 mois, c'est parce que l'esprit dans le plan. Là, il y a un plan. Plan, ça lié. C'est occuper terrain pour gagner l'élection. C'est faire l'élection. Gagner l'élection. Et puis après, il y a même, pour y admissier, empêcher pour ça, au fait. Parce que, il y a deux jeunes en façon pour que y bloquer pour ça. Et la meilleure façon pour bloquer pour ça, c'est amnistie. Qu'est-ce que vous mettez 24 mois? Faites-moi dormir. Mais il là. Et gardez bien pour vous. Vous ne pouvez pas être à bloquer là, Pedro Caribea. Il est bloqué. Et il prend autant de temps avec Nexayo. Et même si c'est dans 24 mois, le texte est là. Et là, il dure 3 mois, il va faire. Il va dire, ah, bah, ça a duré 3 mois, il va amnistie. Et il va faire avant. Pendant et après. Et même si vous avez condamné un par défaut, ça n'est pas fait, vous avez couru à Miami, vous avez couru à New York. Et puis vous dites, vous avez amnistié un là, même après les condamnations par défaut. La justice n'est pas cachée l'autre bord, la justice a condamné quand même. Vous espérez, vous avez placé un ça, vous n'avez rien à revoir. Moi, je pense que c'est ça que vous avez filé dans le code là. On est suivi. Je dis à venir avec des thèmes que vous connaissez, vous ne pouvez pas accepter dans la société. Et thèmes que vous ne pouvez pas accepter dans la société. Vous faites pour deux raisons. Premièrement, parce que l'international l'a demandé. Donc, vous même c'est sous-sous. Vous n'avez que appliquer. Et en même temps, tout, pour empêcher le débat 7 février, oublier le débat. Nous pas oublier le débat. C'est tout le monde qui a mené justement un constat. Constat de fin mandat, président Jovenel, le 7 février. Peuple haïtien, et nous réunis la presse matin pour nous faire parler sur des dossiers importants qui concernent la vie nationale. Il y a plus de dossiers qui sont d'actualité depuis une année, depuis plus de deux ans, il y a 9 mois, il y a plus récent. Nous choisissons pour nous prononcer, nous, comme président du Sénat de la République, sur deux ou trois matins. L'un des dossiers qui défrait la chronique, c'est-à-dire qui fait un pile parler, c'est le décret sur le code pénal. Le projet code pénal là, il est là pour remplacer l'ancien code pénal là, qu'il a depuis 1835. C'est un code qui est ancien en pile, c'est un code du 19e siècle, qui est calqué sur le code napoléonien et qui était publié sous président Boyer. Donc, ça fait longtemps et c'est des deux régimes qui étaient très forts parce que le président Boyer, quand même, avait 25 ans au pouvoir et Napoléon, on n'a pas tout comme qu'est-ce que nouveau code, projet code pénal, ça a été venu dans le Sénat. Il travaille, c'est pas un code que le président Jovenel Binavel, c'est pas un code que le Sénat Binavel, il travaille longtemps sur lui-même. Même fait près de 2 ans de Sénat,
Et le Sénat fait un pile travail de recherche sur lui-même, des études comparatives via la commission de justice. Mais nous n'avons pas de grand temps, fin travail sur lui-même, pour nous faire tous les commentaires nécessaires là-dedans, et pour nous voter, pour nous suivre les voies constitutionnelles régulières pour la jeune exécutif là, pour être promulgué, pour être publié. Cependant, le décret a bâillé un battement, c'est-à-dire un temps d'environ 24 mois avant application code là. Donc, c'est un dossier code pénal là qui versait devant la conscience nationale. Ils permettent que battement ça, tant ça, permettent que les différentes institutions, les grandes institutions à fondement moral, les institutions de la société civile, des droits humains, l'université, tout grand pan dans la société a fait commentaire. Nous voyons que des institutions pour les églises, l'église catholique et les églises protestantes, le vaudou, nous jeunes monde qui est dans l'université a des étudiants, des professeurs, nous jeunes des citoyens tout, selon leur formation, leur foi, qui refusait, qui dit non à un CID article qui l'encode là. Ils n'ont pas dit ces codes d'évadé. Ils n'ont pas dit article ça. D'autant plus article qui parlait sur avortement, sur sexualité, sur majorité, sous majorité. Donc c'est des articles qui. Que yo dit nous pas pour préparer pour lui-même. Entre 1835 et 19e siècle, dans le 21e siècle, c'est sûr que le monde a évolué. Temps pas même, monde n'a pas même, société a pas même, mœurs a modifié. Ça va de dire pour autant, pour, pendant que nous avons respecté tout droit de minorité, pour nous provoquer une série de bagailles qui contraire à nos coutumes et à nos mœurs. Heureusement, vous entendez que le président de la République parler de dialogue, il parle en confrontation. Entendez que le Premier ministre en dit comme ça qu'il réunit avec de ses conseillers et même des conseillers du président de la République pour travailler sur ça. On dit que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le conseiller, ça, il travaille sur le code-là avant de créer des droits. Et c'est ça que nous-mêmes avons proposé pour une commission multipartite. C'est-à-dire qu'en même temps que le conseiller a parlé, regardez tout commentaire, tout ça, société a dit pas d'accord, mais puis on apprend l'autre monde qui sortit dans grandes institutions, notamment les églises, l'université, des anthropologues, des sociologues, des juristes, au moins pour ta bailler un 3 mois, pour ta passer en revue tous ces articles irritants et que société a rejeté, parce que ce n'est pas code là qu'il rejeté. Et ça va permettre que dans un nettoyage qui fait au niveau du code là, qui va permettre que l'IET là, pendant même période de département 24 mois, et il y a un travail que le prochain Parlement a gagné pour le travail sur lui-même, parce que le président Jovenel pape là dans 24 mois, et certainement a gagné l'élection pour renouveler le personnel politique, mais le gros du travail. L'opinion étant forgée par les différentes institutions, il va permettre que le prochain Parlement ça travaille sur le même pour doter le pays d'un code qui adapté et qui répond et à tout changement société à gain. Ça me devait dire sous question code pénal. Donc, nous dit que l'exécutif là, dans ces deux branches, la présidence et la primature, nous devons écouter, voir, différentes institutions, ça, yo doit non seulement travailler sur lui-même, mais inviter d'autres pour nous rentrer et venir travailler avec eux-mêmes, une commission multipartite, pour travailler pendant les 2-3 mois et plus, dépendamment de sa gain, pour nettoyer le texte code pénal, là, de manière à ce que la société a retrouvé l'un lui-même. Le deuxième point que je devais parler de lui-même, c'est le coronavirus. Je ne peux pas parler lui-même comme si c'est médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. Cependant, dans l'ensemble de dispositions que l'exécutif prend par rapport à Jean coronavirus, à Jean pandémie a évolué dans le pays. Et dispositions ça autant à la reprise de l'économie, à la réouverture de l'économie. Donc, que
yo fait revoiture maintenant des frontières aériennes, frontières maritimes, yo permettre que migration en fait, échange se fait, de mobilité fait entre les citoyens et les étrangers qui étaient à l'extérieur, les nationaux qui étaient à l'extérieur, tout comme des étrangers rentrés dans le pays et vice versa. Nous voyons que la reprise d'activité faite le 6, que, comme était annoncé, dans les parcs industriels, que ce soit la Sonapi, que ce soit Codevi, je pense parc Florio également, tout ça c'est des activités économiques qui reprennent. Nous connaissons que des annonces qui fait officiellement pour que les églises reprennent leurs offices religieux, et à partir de 12 juillet, et finalement, le 12 août, la réouverture des classes, surtout les classes qui prennent l'examen terminal là-haut, pour permettre Timounia de proposer. C'est la bonne chose. Cependant, ça, en plus, le monde n'a pas espéré de pandémie. Hein. Il n'a pas souhaité, là. Mais pour dégager tout le temps fait dans des pays équipés sanitairement, je t'ai pensé, c'est à la catastrophe, le pays. Mais Dieu nous en a épargné, pour l'instant. Parce que, si un pile monde pas tombé, c'est que, bon, grand, la population est quelque part, bon Dieu aidez-nous, nous immuniser. Immuniser en respectant les différents gestes que barrières qui étaient là. C'est bien que faut économie à marcher. C'est bien que faut timonier à l'école. C'est bien que pour le réouverture maintenant des offices religieux, faut permettre que citoyens estiment foyer, que ce soit leur foi catholique, leur foi chrétienne, dans l'église catholique ou encore dénomination, yo. Mais dis bon tout pour nous monter la plus grande vigie. Vigie pour nous empêcher propagation. Que ce soit avec mon cabine, que ce soit avec reprise pour ça, contact avec le fait. Au niveau des parcs industriels, contact ça au niveau des offices religieux, contact ça au niveau des écoliers dans les créations. Nous avons deux bagages, deux formes de protocole qui définit. L'Église catholique définit un protocole pour ses offices religieux, que ce soit pour messe, que ce soit pour mariage, que ce soit pour funérailles. Je pense que c'est un bon bagage et je pense que l'Église protestante, il a fait le même bagage là tout, de manière à ce que chrétiens, qu'aller suivre, exprimer foyer de façon sécuritaire pour empêcher que pour propager et maladie. Nous pensons qu'ils ne vont pas faire le tout. Ils ont regardé sur ça l'Église catholique fait et l'autre institution qui a regardé sur lui-même pour nous définir le protocole ça. Et même le ministère de la Santé a regardé le protocole qui définit l'Église catholique là, si on a adapté, le corriger pour véhiculer de l'autre côté. Il faut voir l'Église protestante autour. Nous voyons que l'éducation nationale, le ministre a parlé maintenant de l'ensemble des dispositions courantes pour l'école là-haut. C'est même protocole qui définit tout au niveau de l'école là-haut pour empêcher la propagation du virus. Mais nous avons une commission cellule scientifique là, qui a responsabilité pour suivre l'évolution de la pandémie, pour placer des antennes. Non. Des antennes un peu partout pour toutes les fois que tu as des nouveaux foyers qui ont découvert, ou encore une progression de maladies, pour y'a prendre des dispositions rapides. Donc, le gouvernement, les institutions, toutes les composantes de la société, ils doivent rester vigilants, respecter gestes barrières là-haut, laver main, distance physique, ça n'est pas distance sociale là-haut. Et port de masse et toute autre mesure qui définit par le ministère de la Santé publique son bagage pour faire. L'Ikban de l'île Longenac, je dis à la demande de justice pour deux jeunes Sao qui disparaissent dans le pays. Je vous dis l'Ikban de l'île, il ne va pas arrêter là dans le moment. Nous-mêmes nous lancer, c'est des choukas nous lancer pour nous jouer une bout de l'île Sao parce que pas de justice avec nous Sao. Avec l'Ikban de l'île, pas de justice. Et dans ce sens, ça nous dit. C'est toute nation, toute chaîne, parce qu'avenir pays a ses noms et lieux, je dis à nous demander justice devant le ministère de justice, qui est l'Ikban Galil, alias Tibobo, capturé sous population. Je dis à nous dire, je dis à 6, mais mouvement tout déclenché, n'a pas de l'Ikban Galil, n'a pas à tout le monde qui attendait nous.
moun ki tap tire yo, c'est pas bon police ça oui. Moun kap tire yo, c'est Genève kap tire sou nou, c'est Likman Galil ki tèt yo. Parce que bon police nou pa ka kap tire sou nou, pa ka ba nou bon gaz, et ben jodi a nou même nou campé dans la ria. Nous campé devant ministère de justice, n'a mandé justice pou jèn sa ki disparèt, ki yo kantine. Nous dis la jodi ansan. Bon, nous pas dormi té lanson invitation pour un sitting pour la vie. Nous vinn là devant ministère de justice pour nous poser des questions, pour nous joindre des réponses, pour nous joindre réponse sur insécurité n'a vivre chaque jour, impunité n'a vivre chaque jour, sur une situation cap dégringoler chaque jour plus en dans pays en côté citoyen pas ka vivre en paix. Mais nous venons faire sitting tout pour toute l'autre bagaille qui influencer condition la vie nous, que ce soit la vie chère, que ce soit je veux dire que ce soit élection, que ce soit question gestion COVID-19, tout ça qui d'une façon ou d'une autre je veux dire empêcher nous vivre dans pays. Nous venons faire sitting pour la vie, pour nous dire nous-mêmes nous voulons vivre dans pays. Nous connaissons une série de décrets qui ont sorti. Et dernier jour, c'est le dernier décret qui fait parler en pile de lit, côté légaliser l'avortement. Nous-mêmes qui n'avons pas de problème, qui j'aime comprendre le décret ça. Bon, nous avons rappelé que pour le moment, presque sur le territoire, nous avons dit qu'on seul nous qui est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de décret qui sorti effectivement, mais nous-mêmes nous avons une position de principe par rapport à divers qui ont fait un de pays. Et pour nous-mêmes, c'est des pratiques de dictature qui ont instauré, c'est des pratiques de gouverner pour contre et qui ne pas aller souvent dans le sens bien-être collectif. Nous même position principe, non, c'est que tout ça qui est supposé faire en deux pays, supposé faire pour bien-être la population. Mais il pas supposé faire non plus dans violer des principes de droit, de démocratie en deux pays. Donc nous même cette position. Merci. Quoi ça va passer? Quoi va passer? Je venais trop ras. Dans qui pays où? Dans qui pays de pour lever où jouer? Où jouer le monde créé? On cabrit avec un mal. Pour jeune bon Dieu, que Bef la fait, un gazette du fronto. Ça veut dire, bon Dieu, que une femme, un garçon. Ça veut dire, femme, un garçon, hein, supposé pour nous être ensemble, pour nous marier. Mais qui compte entendre, pour femme mariée, garçon à garçon marié, et bête à bête marié, ça veut dire nous-mêmes, nous disons non. Ça n'a pas passé parce que c'est pas là. Parce que je venais du Timoun, 14 ans, 13 ans, qui a responsable de tête, lui, qui a été avec n'importe quel grand monde, qui a fait route livrée, lui qui a fait responsable. Je venais avec des petits. Est-ce que si je venais loin, petit garçon m'a marié avec un garçon, est-ce que va content? Est-ce que si doit petite fille là marié avec un fille lui, est-ce que va pas accepter? Mais comme je viens dire qu'il accepte vous parce que lui-même, je viens dire même ça le fait lui, je viens habiter avec celle, il est habiter avec cousine, c'est ça fait lui médaille tout nous ensemble, tout le monde a fait ça. Non, nous-mêmes nous disons non, ça nous campé de elle, nous pas faire ça. Je viens ouais par ouais 2021, je viens pas de place lui là. Et si Jovenel, comme nous dit, si Jovenel, en met d'école pour faire rester jour pour faire rester jour à faire femme mariée, c'est bien ça. Moi-même, j'ai 70 ans. Mais nous avons un pouvoir extrême droite et qui a impliqué dans des violations systématiques de droits humains. Et moun yo vin faire sitting c'est pour qui ça? Y a demandé la vie. Yo dit la vie moun banalisé, tout moun voit la vie moun banalisé dans société agent autorité a renforcer gang yo. Donc nous même nous là, nous vin participer et n'a observer tout parce que droit pour moun manifester, droit pour moun protester, droit pour moun participer dans la vie politique yo, son acquis constitution 1987 là-bas nous et déclaration universelle droit moun et traité convention haïtien. Jodi a pas aucun apprenti dictateur qui a retiré et doit ça dans mes peuples haïtiens. Donc ça qui passé lundi passé, jour lundi qui était 29 juin 2021, inacceptable. Côté que les rassemblements ont commencé à faire 10 personnes et la police voyait 8 bonbons de gaz. Inacceptable. Donc nous n'avons pas la guerre avec la police. La police a son institution apolitique. Il est là pour le protéger avec ses vies, mais il faut le protéger la population.
population faut que protéger et journée aujourd'hui, gens y a institutionnalisé gagnant dans pays a li inacceptable moun pa ka vivre encore dans pays a la vie moun pa gagne aucune importance et policiers y a vivre dans insécurité même gens avec population. Donc la police ça c'est pour protéger population, son institution apolitique lié li pa gagne pour la exécuter l'ordre manifestement illégal mini justice là tout et qui journée aujourd'hui a son ministre injustice. La vie moun pa di rien, gardez massacre qui fait dans zone pont rouge. Et gardez l'attitude de la police là, vous venez le problème, vous venez avec l'inspection générale de la police là. L'inspection générale de la police là, la couvrir pour les policiers qui sont impliqués dans ce qui passe. Policiers qui n'ont pas de connivence avec bandits, avec délinquants. N'a pas gardé ça qui passe le 1er avril, côté que tout le monde constate, tout le monde est oisé, côté Fayez, vous manger, bah, barbecue, et que trois unités dans la police là qui viennent. Et sécuriser barbecue pour manger ça. Qui ça l'inspection générale de la police a fait? Il va rien, il va rien. Donc, je ne dis pas qu'il va mettre l'autre policier dans l'insécurité. Inspection générale de la police a dit là pour garder les conditions policières de travail, mais en même temps, tout si il y a un mauvais élément dans l'institution pour faire des recommandations pour prendre des sanctions administratives. Et pas ça, nous, qu'a fait une aujourd'hui, la police a crasé, l'institution a crasé, et l'autorité a voulu pour institutionnaliser la gang avec bandits en un pays pour banaliser la vie. Nous disons ça, ni révoltant, ni acceptable, ni inacceptable, et la population a voulu révolter contre tout le bagage. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.